La Slovénie a déjà pris la porte dans cette Coupe du Monde, après une défaite contre le Canada ce mercredi. Une véritable déception pour Luka Doncic et ses partenaires, d'autant que le joueur des Mavericks est en colère, contre les arbitres. Il a porté une lourde accusation lors de la conférence de presse. Malgré un Luka Doncic dominateur dans cette Coupe du Monde, la Slovénie n'arrivera pas à atteindre le dernier carré. L'équipe est tombée sous les coups du Canada ce mercredi, avec un chez Giljo Alexander encore plus impressionnant en face. Tant pis pour les ambitions des Slovènes, qui devront trouver un autre moyen afin de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. La déception n'en reste pas moins immense. Doncic voulait l'or avant de retrouver les Mavericks dans quelques semaines, mais n'a pas réussi à se contrôler comme à son habitude. La faute à une éjection. Devant les journalistes après la partie, il confirme qu'il était très agacé par l'arbitrage, au point qu'il évoque une discussion avec un arbitre au sujet des fautes. Et il n'a pas aimé du tout. Tout le monde a pu voir que j'étais frustré. Parfois je ne me contrôle pas, ce qui est un problème. Mais les arbitres ont expliqué à un gars, nous n'allons pas siffler faute sur lui Brox parce qu'il vient vers nous. Je sais que je me plains beaucoup, mais je ne pense pas que ça soit juste. Ils ont joué très physique avec moi, mais si tu dis ça, ce n'est pas juste. Il est vrai que quelques fautes ont été oubliées. Mais l'agacement de Doncic devient beaucoup trop récurrent pour les fans. Le joueur des Mavericks avait pourtant promis de travailler sur ce détail, sans succès manifestement. Au moins il sait qu'il se plaint beaucoup. Éliminé, Luka Doncic n'a pas manqué de critiquer les arbitres avant de partir. Une fâcheuse habitude, et la preuve que les Mavericks auront besoin de le surveiller cette saison sur ce point. Le Slovène est bien amer.